Alors salut à tous, en fait je voulais vous parler un peu de cette nouvelle gamme Softop de JS qui m'a beaucoup surpris en fait. C'est une planche qui est faite en carbone, époxy, avec de la mousse autour des deux côtés. J'ai bien kiffé ce modèle là, ça reste quand même assez performance. Tu arrives à bien surfer dans toutes les conditions, que ce soit droite, gauche. Et du coup il y a trois modèles, il y a la Flame Fish, il y a la Big Baron et la Red Baron. Et du coup, ouais, j'ai trouvé très intéressant avec le petit deck qui va derrière, qui est intéressant. La planche, franchement, ne vieillit pas. D'après ce que j'ai vu, on l'a surfé tout l'été avec mes enfants, avec moi-même et tout ça. Et ça bouge pas, quoi. Et du coup voilà, petit coup de cœur, voilà. Ouais, alors celle-là, c'est la deuxième gamme de Softop, c'est la Twin Retro de la Red Baron, donc beaucoup plus classique, beaucoup moins performant que la Flame Fish, mais vraiment pour plus large, avec un outline très différent. C'est plus pour les vagues, vraiment pour plus petites. Qui ont pas de vitesse, pas de force, pas de puissance, et du coup ça passe un peu partout. Alors celle-là, c'est la troisième gamme des modèles Softop. Celle-là, c'est la Big Baron, donc je l'ai déjà dit, c'est mon coup de cœur de l'été. C'est voilà, on la surfe en thruster ou en twin fin, et franchement celle-là, vraiment pour les petites vagues, c'est ça passe partout, à tous les niveaux, surtout quand on veut pas trop batailler avec le monde. Moi, je n'hésiterai pas à le prendre un peu plus grand même. Ça reste super, super fun à surfer. Les rails sont très affûtés, ils sont très pincés, contrairement à d'autres planches, ce qui fait que ça tient vraiment dans des vraies vagues, quoi. C'est ça qui est intéressant. Donc ça passe vraiment partout, mais c'est pas que des vagues pour les vagues minuscules, mais ça peut passer dans des vagues un peu comme la Nord ou comme ça, en soft top, ça passe, quoi. Et du coup, c'est vraiment là, on voit vraiment les rails qui tombent des deux côtés, c'est flagrant.